Salut Patricia, hello tout le monde. YouTube, Facebook. Vous allez bien les amis, vous avez passé une bonne journée? On a encore 2 minutes. Salut Monique. Cours de pilates les amis aujourd'hui. On a encore une petite minute. Eh oui, on n'est pas confiné. Donc aujourd'hui, cours de pilates, vous vous souvenez? Demain, cours de circuit training. Normalement, demain c'est férié. Mais je serai là les amis. Ça va mon Chris? Salut Nat. Donc n'oubliez pas demain si vous êtes par là, demain circuit training. Si vous êtes en famille, bah faut le faire en famille les amis. On a encore une petite minute. Est-ce que ça va au niveau du son? Est-ce que vous m'entendez? Sur YouTube, faites-moi un petit pouce. Facebook, je pense que c'est bon. J'espère que la reprise s'est bien passée pour vous. Yes. Il y a un petit peu de vent, mais on est là, on tient. Et on va commencer, les amis. It's time. Je vais mettre la musique. Donc 45 minutes, Pilates, niveau débutant intermédiaire. Donc n'oubliez pas, on a la chaîne YouTube, les amis. Donc merci d'être là. Merci d'être présent sur Facebook, sur YouTube pour voir les vidéos, pour partager. Il y a aussi la cagnotte Litchi qui a été créée. Donc merci d'avoir participé. C'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, encore une dizaine de jours et puis après on vous dira le résultat. Allez, c'est parti les amis. Je mets le son. Un petit son. Hein. Et normalement, c'est OK. C'est parti, les amis. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le Pilates, c'est un travail des muscles profonds. On travaille vraiment la posture. On va travailler vraiment, pour les personnes qui ne connaissent pas, périnée transverse. OK? Alors, on va commencer. Vous avez les pieds serrés, vous avez écarté les pointes et les talons pour garder les pieds largeur de hanche. D'accord? Pas trop large, les pieds largeur de hanche. Vous allez enrouler les épaules, vous inspirez, et là, au lieu de gonfler le ventre, vous allez gonfler votre poitrine. Et derrière, vous soufflez. Encore, enroulez vos épaules, gonflez la poitrine. Vous rentrez le nombril et vous poussez vers l'arrière et vers le bas avec les épaules. Encore, enroulez vos épaules, inspirez. Et là, vous relâchez,
vers l'arrière et vers le bas. Donc les jambes souples, vous allez placer vos mains sous le nombril. Donc la respiration en pilates se fait avec la poitrine. Quand vous inspirez, vous gonflez la poitrine, vous écartez les côtes, sans lever les épaules, hein, et vous expirez lentement par la bouche. Encore, inspirez, gonflez la poitrine, le nombril est rentré. Expirez par la bouche. Encore, inspirez, je gonfle la poitrine, et j'expire lentement par la bouche. Donc en pilates, sur tous les mouvements, la respiration se fait avec la poitrine, d'accord? Vous allez relâcher les bras, position, pied à plat, les jambes légèrement pliées, d'accord? Le dos, on cambre pas, on va faire une petite passion du bassin, c'est ce qu'on appelle la neutralité du bassin, d'accord? Donc on réduit la cambrure, on rentre le nombril, on insère le nombril, et en même temps on va serrer les fesses, mais en profondeur, l'anus, d'accord? C'est vraiment un travail des muscles profonds. Donc la position, pied à plat, jambes souples, neutralité du bassin, les omoplates fixes, vers l'arrière, vers le bas, et la nuque est longue. Donc ça, c'est la position pilate. Le nombril rentré. On va essayer de se concentrer sur le périnée, le transverse. Donc là, on parle vraiment des muscles profonds des abdominaux, entre les jambes, mais aussi les fesses. Donc j'inspire, et doucement, je vais pousser avec les mains, en gardant les épaules basses. Vous savez, les mains. Inspirez sur la descente. Donc là, vous gonflez la poitrine. Expirez sur la montée. Vous savez, vos mains. Les épaules basses. Relâchez les bras. Vous inspirez. Vous gonflez la poitrine. Et là, vous allez lever les talons. Mais sans tendre les jambes. Les jambes, elles se soufflent. Posez vos talons. Inspirez. Expirez, vous savez vos mains. N'allez pas trop avec les bras. L'inspiration sur la descente. Et l'expiration sur la montée. Encore. Inspirez. Levez doucement. Vous allez plier les jambes, vous posez les pieds à plat. Vous balancez les bras vers l'arrière. L'inspiration. Et là, je lève doucement, je souffle. Encore, inspirez. Expirez. Je gonfle la poitrine. Et là, j'engage vraiment les cuisses, les fesses. Encore deux fois. Poussez avec vos mains. La dernière. Éloignez vos mains. Vous allez poser les talons et les bras sur le côté, vous inspirez. Donc là, je gonfle la poitrine et les bras devant, vous soufflez. Poussez avec vos mains, doucement. Les bras sur le côté, donc gardez vraiment vos épaules basses. J'inspire et j'expire. Posez-vous la question, est-ce que votre périnée, est-ce que le transverse sont engagés? J'inspire, je pousse vers le bas, encore une fois, soufflez, vous relâchez, vous allez garder les bras tendus vers le bas, donc là on essaie vraiment de bien fixer les omoplates, vous allez coller vos talons, donc les jambes, regarde, pas tendues, souples, ok, vous avancez une jambe, vous essayez de garder la colonne droite. Vous engagez le bassin. Vous vous souvenez dans chaque mouvement la neutralité. Donc je réduis ma cambrure. Je lève mes pieds. Et là c'est parti. Donc pour l'équilibre, fixez un point devant. Vous faites 3 à 5 mouvements en inspirant. Et 3 à 5 mouvements en expirant. N'oubliez pas, si vous relâchez pas du dos, si vous relâchez le bassin, vous allez tirer sur les lombaires. Donc là, je dois sentir les deux jambes. La jambe d'appui, donc elle est souple, et l'autre jambe, ça va partir de la hanche, et ça descend jusqu'au niveau de la rotule. Si vous sentez bien, vous pouvez lever la jambe. Par contre, le dos, regarde, le dos est droit.
J'expire. Encore deux fois. Expirez. La dernière. Et relâchez. Détendez un petit peu les jambes. Reprenez la position, dessinez un plat avec les pieds, donc souple au niveau des jambes. Bassin du bassin. Cette fois-ci, tu avances l'autre jambe. Donc n'oubliez pas, hein, la bassine du bassin, la neutralité. Donc je rentre le nombril, je verrouille en profondeur le périnée transverse. Vous levez la jambe, et là c'est parti. Entre 3 et 5 mouvements d'inspiration, sans bouger le dos, hein. Donc le dos est bloqué. Vous imaginez que vous avez un mur derrière, d'accord? Quand vous faites des mouvements, le dos reste bloqué. Donc on a les fesses, les omoplates et la nuque sur la même ligne. Continuez. Inspirez sur 3 à 5 mouvements. Expirez sur 3 à 5 mouvements. Gagnez de l'amplitude. Levez la jambe. L'inspiration. Grandis-toi. Grandis-toi. Une dernière fois. Je gonfle la poitrine. J'expire par la bouche. Et je relâche. Parfait. Vous relâchez. On aura besoin du tapis. Et on va continuer debout. Alors, donc là, on va combiner différents mouvements. Regardez. Donc, je commence, je le fais tout seul une fois. Donc, vous l'avez fait au départ, ça. Les jambes souples, les omoplates fixes. Donc, d'abord, regardez-moi. Tu descends avec la tête. Ensuite, j'avance les mains. Une même planche. On va poser les genoux, les jambes tendues comme vous voulez. On va faire le push-up. On monte. On ramène les mains. Lève les pieds. Et ensuite, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Ok? Alors, on va commencer ensemble. On va essayer de se concentrer sur la respiration. Donc, je prends ma position. Les pieds à plat. Hop, le bassin, le périnée, les omoplates, la nuque longue. Inspirez. Rentrez la tête, soufflez. On descend. Les mains, les bras, les épaules, la tête. On avance les mains en inspirant. Puis les bras, soufflez. Vous gonflez la poitrine quand vous remontez. Vous inspirez. Vous expirez par la bouche. Vous ramenez les mains, près des pieds. Et vous déroulez lentement votre dos en inspirant. Une nouvelle fois, je souffle, je rentre la tête. Petit à petit, je gonfle la poitrine, j'avance les mains. Pliez les bras. Si ça va, vous pouvez garder les jambes tendues. Hein. Inspirez. L'expiration. L'inspiration, c'est le genou de dos. Et on repart. On souffle, on rentre la tête. N'oubliez pas votre périnée, votre transverse engagé. Posez-vous la question sur le bas du dos. Est-ce que vous avez la neutralité du bassin? L'expiration sur le retour. Donc là, je rentre le ventre, j'expire un maximum d'oxygène. Et je déroule lentement en inspirant. Allez, on refait encore deux fois. Rentrez la tête. Avancez les mains. Pliez les bras, soufflez. L'inspiration. L'expiration. Je déroule lentement. J'inspire. Et on revient encore une fois, les amis. On rentre la tête. On souffle, on souffle, on souffle. On expire. On avance les mains doucement. On inspire. On plie les bras, une belle planche. On souffle. L'inspiration sur la montée. L'expiration sur le retour. Et ensuite, vous déroulez le bas, le milieu, le haut du dos. Et vous relâchez. Yes! On boit un petit peu. On va continuer au sol, les amis. On boit un petit peu, on va continuer au sol. Alors, on va
Enchaînez les abdominaux. Allongez-vous sur le dos. Donc j'espère que la première partie, elle n'était pas trop dure. C'est vraiment un petit échauffement. Là, on va continuer. Hop là! Vous allez garder vos pieds pour l'instant posés par terre. Les pieds comme les genoux largeur de hanche. Vous allez réduire la courbure. Donc je garde un mini-espace entre le bas du dos et le tapis. D'accord? Si je suis fragile sur le bas du dos, je plaque mes lombaires par terre. Ok? Sinon, je bloque en gardant une petite cambrure, c'est ce qu'on appelle la cambrure naturelle. Premier mouvement, regarde. On va faire le handred, c'est le mouvement de base pour les abdos. Deuxième mouvement, on posera les mains, on lèvera les pieds. On fera le scissor. Et ensuite, on alternera, regarde. On fera les obliques. Donc, jambe droite, épaule droite, et jambe gauche, épaule gauche. Donc là, je viens un petit peu au niveau de la sécurité. Pour l'instant, les pieds à plat. Tu vas rentrer le nombril, tu vas verrouiller les fesses, l'anus. Vous allez alors descendre un peu vos épaules. Ensuite, on lève les mains, les bras. Et là, l'objectif, ça va être de faire des petits battements en gonflant la poitrine. 5 mouvements et en expirant par la bouche. Voilà, continuez. J'inspire. Donc là, ce mouvement, il est bien si on arrive à verrouiller du début jusqu'à la fin les muscles profonds. Si tu relâches les abdos, tu ne sentiras rien. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment réunir en profondeur. Gonfler la poitrine, inspirer. Si vous avez l'habitude, vous pouvez lever la tête, les épaules. Allez, encore. J'inspire, je gonfle la poitrine. J'expire par la bouche. Encore. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Petit mouvement, les omoplates bien calées par terre. Une dernière, inspiration, expiration, et relâche. Levez les pieds, attrapez vos jambes, on va étirer un petit peu les lombaires. Ramène les cuisses vers toi, lève les fesses au bas du dos. Et tu relâches. On va continuer, on va faire le scissor. Donc là, on est en position chaise inversée, d'accord? Donc les cuisses à la verticale, les jambes parallèles au sol. Toujours pareil, un petit espace entre le bas du dos et le tapis. Si on est fragile, si on est sensible sur les lombaires, on ramène les cuisses et on incline les lombaires par terre. C'est-à-dire qu'on cale, on colle les lombaires par terre, ok? Donc regarde, si c'est la première fois, tu descends, tu t'arrêtes au milieu, ok? Si tu as l'habitude, si on n'a pas de souci au niveau du dos, on touche le sol. D'accord? Par contre, pas trop vers l'avant, sinon vous allez tirer sur les lombaires. Donc le pied vraiment près de la fesse. Prends ta position. Détends tes épaules. La nuque est longue. Donc avant de commencer, je verrouille mon périnée et mon transverse. Inspirez. Je gonfle la poitrine. Et là, vous descendez avec une jambe doucement. Donc soit tu t'arrêtes au milieu, soit tu touches le sol avec la pointe de pied. Tu montes la jambe, tu inspires. Et tu repars jambe gauche. Tu souffles. Gonflez la poitrine. Prenez votre temps. Hein. Donc là, on travaille les abdominaux. On va travailler le grand droit aussi. Donc c'est vraiment le muscle devant, au niveau des abdos. Vous allez sentir les muscles fléchisseurs des hanches et les cuisses, les quadriceps. Par contre, on n'a aucune pression sur les lombaires. Donc là, c'est la base. Hein. Si vous sentez les lombaires, c'est pas normal. Donc je souffle sur la descente. Et j'inspire en gonflant la poitrine sur la montée. Voilà, prenez votre temps. Plus on ralentit, plus on travaille les muscles profonds des abdos, des hanches et des cuisses. On fait encore 4 mouvements. Inspirez sur la montée. Descendez lentement. Encore 2 fois. La dernière. Ok. Attrapez vos genoux. On va étirer un peu les lombaires. Ramène les cuisses vers toi. Écarte un tout petit peu les genoux. Verrouille ton périnée. Lève les fesses.
et tu relâches. On va reprendre la position chaise inversée. Donc les mains près des oreilles. L'objectif, quand tu tends ta jambe droite, tu vas ramener ton épaule droite vers la gauche. Regardez le mouvement. Sans toucher son genou. Ok? Donc tu as vu, mon bras ouvert, le menton toujours dégagé de la poitrine. Ok? Si tu ramènes le menton près de la poitrine, tu vas tirer sur les cervicales. Ok? Donc là, on prend la position. Soit les mains derrière la tête, soit près des oreilles. Je verrouille mon périnée, mon transverse. Levez les épaules. Inspirez. Soufflez. Tendez la jambe. N'oubliez pas, aucune tension sur les cervicales et sur les lombaires. Hein. Soufflez. Inspirez. On repart. On souffle. Évitez de remonter les épaules. Gardez les omoplates fixes, les épaules basses. Inspirez. On repart. On souffle. Encore deux fois. L'expiration. Donc là, on va sentir pareil les cuisses, les muscles des hanches, les fesses. Et on va sentir aussi les abdominaux, on va même sentir les obliques, le côté. Vous soufflez, vous ramenez doucement. Parfait. Attrapez vos jambes, pliez doucement les bras, levez les fesses, le bas du dos. Là, on a travaillé les abdos, on a fait trois mouvements. Relâchez. Tendez vos jambes par terre, tendez les bras. Vous avancez les pieds, vous éloignez vos mains. Vous étirez les abdos, le dos. Poussez avec tes mains. Éloignez. Encore un peu. Inspire. Et relâche. Parfait. On va continuer. On va travailler cuisses et muscles fléchisseurs des hanches. D'accord ? Donc regarde le mouvement. Je vais lever le pied, regarde. La cuisse bloquée, on va pousser, on ramène. Ok ? Ensuite, on bloquera en haut et on fera 6 cercles vers l'intérieur, 6 vers l'extérieur. Ok ? La jambe va vers le bas, vers le haut. Donc, prenez la position, pied large en hanche. Avant de commencer, tu réduis ta cambrure, tu rentres le nombril, tu serres les fesses. Inspire, lève le pied droit. Donc la cuisse, elle est bloquée à la verticale. Tu descends du pied, tu inspires et tu pousses doucement, tu souffles. Pliez votre jambe, inspirez, gonflez la poitrine. Vous devez garder vos genoux dans l'axe, hein. Soufflez. Prenez votre temps. Là, ça va tirer sur la cuisse. J'inspire et je repars, je souffle. L'inspiration sur la descente, donc je gonfle la poitrine. Bien, continuez les amis. La dernière, soit tu bloques ta jambe pliée, comme ça, soit la jambe tendue vers le haut. Détends tes épaules. On va faire le one leg circle. Donc j'inspire et je vais commencer le cercle vers l'intérieur en soufflant. Inspirez la jambe vers l'extérieur. Prenez votre temps, ralentis un peu ton mouvement. Encore, inspire. Si vous sentez que ça tire sur le dos, regardez, jambe pliée. Le bas du dos est plaqué par terre. Vous soufflez votre jambe vers l'intérieur. Et vous inspirez votre jambe vers l'extérieur. Encore deux cercles. Le dernier. Vous bloquez la position. On se recentre un petit peu sur le bassin, sur le périnée. Toujours avec la même jambe, on va juste changer de sens. La respiration est toujours pareille. J'inspire la jambe vers l'extérieur et j'expire ma jambe vers l'intérieur.
Expirez par la bouche. Je gonfle ma poitrine. Et j'expire par la bouche. Vous faites encore 3 cercles. Prenez votre temps. Les 2 derniers. Mais les sentir vraiment, hein, la cuisse, la hanche. Et relâchez. Parfait. Étendez un petit peu les jambes. J'ai entendu les bras derrière. Avance tes pieds, voyez tes mains. Et là, tu relâches. Reprenez votre position, donc les mains près des fesses. Jambes pliées. Les pieds comme les genoux largeurs des hanches. Il ne faut pas ouvrir les jambes, il faut ramener devant. Pas serré, mais vraiment les pieds largeurs des hanches. Je détends mes épaules avant de lever. Je vais rouler mon périnée et mon transverse. Je lève mon pied. Donc, tu te souviens, si je sens que ça tire sur le dos, je colle mes lombaires par terre. Sinon, je garde un tout petit espace entre le bas du dos et le tapis. Donc, je verrouille les muscles profonds, je rentre les nombrils. Vous descendez votre pied, vous inspirez. Et vous poussez avec le pied, vous soufflez. Inspirez. Expirez. La poitrine. Prenez votre temps. La cuisse est vraiment bloquée. C'est un travail avec la jambe. Je gonfle la poitrine, je ralentis. Et je pousse avec le pied. J'expire. Encore 2 fois. Expirez. Dernier. Vous allez bloquer soit la jambe pliée, soit la pointe vers le haut. On se recentre un petit peu, périnée transverse, le bassin. Et on va faire les cercles. Donc ma jambe vers l'extérieur, j'inspire. Ma jambe vers l'intérieur, je souffle. Quand tu fais les cercles avec la jambe gauche, ta jambe droite reste bloquée. Hein. Vraiment, jambe droite sur la même ligne que la hanche. Inspirez. Expirez. Regardez ma jambe. Si elle est là, vous allez tirer sur les lombaires. Hein. Donc, vaut mieux garder soit la jambe pliée, mais tendue vers le haut si tu as l'habitude. Le dernier. Soufflez. Vous bloquez la position. La nuque longue, détends un peu tes épaules. Les 6 cercles, mais on change de sens. Expire. Inspire. Pousse vers l'intérieur, souffle. Encore 3 fois. Prenez votre temps. Posez-vous la question, périnée engagée ou pas? Normalement oui, hein. Transverse aussi. Le dernier. J'inspire la jambe vers l'extérieur. Et j'expire ma jambe vers l'intérieur. Relâchez. Tendez vos jambes, les amis, c'est bien. Ça a dû tirer hein, sur les quadriceps, mais surtout au niveau des hanches. Par contre, pas le dos. Hein. Vous savez vos pieds, vous savez vos mains, mais sur le monde du dos des abdos. Donc là, on a fait les cuisses, on a fait le one leg circle. On va continuer, pareil, travail de base, des fesses, des ischio-jambiers et des mollets. Donc on va faire le shoulder bridge. Donc les pieds à plat, le mouvement, regarde. On va essayer de lever, enfin, c'est même pas, on va essayer, on va lever les fesses. Au lieu de pousser avec la poitrine, tu vas pousser avec le pubis. Genoux, bassin, épaules sur la même ligne. Et quand vous descendez, c'est petit à petit, vertèbre par vertèbre, le haut, le milieu, le bas du dos. Ok ? On souffle en haut, on inspire en bas. Donc prenez votre position. Vous inspirez. Vous engagez votre périnée. Et là, c'est parti. Vous levez doucement la petite bascule du bassin, vous soufflez. Inspirez sous la descente. Les fesses touchent le sol et on repart, on souffle. Prenez la descente. Poussez bien sur les talons
et les orteils. J'inspire. Et je repars, je souffle. Continuez. Prenez la descente. Inspirez. Et là, on va juste ajouter les bras. Par contre, les bras maximum au niveau des joues, regarde. Pas plus. Pourquoi? Parce qu'on aura tendance à remonter les épaules et les omoplates. Donc là, on fait très attention. On souffle. On inspire. Et on va poser en même temps les fesses et les mains. On repart, on souffle. Plus tu ralentis le mouvement, plus tu vas sentir vraiment derrière les cuisses. Hein. Prends ton temps. Inspire. Et on repart, on souffle. Inspirez. On fait encore trois mouvements. Levez les fesses. J'inspire sans relâcher les abdominaux, donc le nombril vraiment rentré, les fesses serrées. Donc quand on parle de muscles profonds, c'est vraiment les fesses et l'anus, hein, pour vraiment verrouiller en profondeur. Et le dernier, ramenez doucement et relâchez. Parfait, levez les pieds, donc là on va lui sentir un petit peu les mollets, derrière les cuisses et les fesses. Donc les jambes légèrement écartées, tu verrouilles ton périnée, inspire, et puis doucement tes bras souffrent. Lève les fesses, lève le bas du dos. Ramène vers toi. Ok, relâche. Les mains derrière les cuisses, on fait une bascule, on se redresse. Si vous avez de l'eau, hydratez-vous un petit peu. Et on va continuer, on va faire le roll-up. Travail de force et de mobilité. Alors, pour l'instant, on va préparer le mouvement. Vous allez garder vos pieds à plat, les pieds largeur de hanche. Les mains sur les jambes, regarde-moi. Sors ta poitrine, inspire, et rentre ton ventre, tu enroules. Et quand tu enroules, c'est d'abord le bas du dos, ensuite le milieu du dos, le haut du dos. Donc, très important, pliez vos bras, inspirez, redressez-vous. Expirez lentement, rentrez le ventre, prenez votre temps, soufflez. Inspirez. En haut avec le sommet de la tête, grandis-toi. Expire. Entre ton ventre, enroule ton dos. Parfait. Si c'est la première fois, vous allez garder vos jambes pliées. D'accord? L'objectif, ça va être de freiner la descente. Les bras regardent. Au niveau des joues, pas plus. Hein. Et on ramène devant en soufflant. Si on a un petit peu de mal, quand on remonte, on peut lever une jambe. D'accord? Et si vous avez l'habitude, les deux jambes tendues. Donc, par contre, le dos, regardez-moi, redresse-toi, tu fixes les omoplates, inspirez, expirez, rentrez le ventre, les bras derrière, j'inspire. Si j'ai un petit peu de mal, si je sens que ça tire sur le dos, tu lèves une jambe. Et on va chercher loin devant, on souffle là. Redressez-vous, inspirez, descendez lentement, soufflez. Les bras derrière, j'inspire. Et les bras devant. Loin devant. Voilà. Redressez-vous. Vous inspirez. Vous redressez. Gonfle ta poitrine. Et là, tu descends. Donc, tu rentres ton nombril. Tu expires par la bouche. Relâche tes épaules. Les bras derrière, j'inspire. Et les bras devant, j'expire. Loin devant. Voilà. On le refait encore deux fois. J'inspire. Descendez lentement.
Le dernier, vous freinez la descente. Et là, vous restez allongé sur le dos, les amis. Voilà. Tendez les bras, tendez les mains. Et étirez le dos, étirez les abdos. Donc le roller, c'est un travail abdominaux de haut. Donc abdos aussi, muscles fléchisseurs des hanches. D'accord ? C'est un travail de force et de mobilité. On va continuer, on va faire les side kicks. On va passer sur le côté. Les jambes, on fera des petits battements. Ok ? Vers l'avant, vers l'arrière. Et ensuite, quand je vous le dirai, avec la jambe de ciel, on fera des petits battements. Ok ? Donc pour l'instant, devant, derrière, et ensuite en haut, en bas. Avant de commencer. La tête est rentrée, tu dois voir tes pieds. Si tu ne vois pas tes pieds, c'est pas normal. Ensuite, tu redresses la tête. Donc, tu as vu ma tête, regarde, elle est posée soit sur l'avant-bras, soit sur le bras tendu. Par contre, il ne faut pas être comme ça, hein, sinon vous allez tirer sur les cervicales. Donc, je fixe bien les omoplates. Je verrouille mon bassin. Donc, je vais réduire ma cambrure. Je rentre le ventre. Et là, vous levez les pieds. Donc, soit ta main est posée devant, soit le bras le long du corps. On est vraiment sur le côté. Hein. Et là, on va commencer les battements. On va faire des battements, on va chercher une fois vers l'avant, l'autre vers l'arrière, mais par contre pas trop vers l'arrière. On souffle et on inspire. On n'a que les jambes qui bougent. Donc, il faut imaginer, vous avez un plâtre qui part du bassin, des fesses, jusqu'au sommet de la tête. Donc, le haut du corps ne bouge pas. Vous inspirez, vous gonflez la poitrine et vous expirez. Les side kicks, on va travailler les abducteurs et petits moyens fessiers. Inspirez. Expirez. Un dernier détail, les amis. On doit garder un petit espace entre la taille et le tapis. Ça va vous permettre de travailler les abdominaux. Expirez. Pensez à votre bassin du bassin, sinon vous allez tirer sur les lombaires. Une dernière fois. Vous bloquez les deux pieds parallèles. Et avec la jambe de ciel, vous allez faire des petits battements. Entre 3 et 5 en inspirant, n'allez pas trop haut. Hein. 3 et 5 en expirant. Placez votre main, regarde, sur le nombril. Et quand tu fais les mouvements d'inspiration et d'expiration, tes abdos ne bougent pas. Si tu gonfles ton ventre, ce n'est pas normal. Il faut vraiment gonfler la poitrine. Là, ça va tirer la fesse. Si vous sentez le dos, n'hésitez pas à avancer un peu les jambes. Et n'oubliez pas, la base... Neutralité du bassin, périnée transverse engagée. Une dernière fois, vous soufflez, vous bloquez la position, les deux pieds décollés. Hein. Je bloque, je verrouille mon bassin. 3, 2, 1, et relâche. Parfait. On va changer de côté. Connectez à droite, on va passer à gauche. Donc on est sur le côté. Vous allez voir, on a tout un côté qui est un peu plus facile que l'autre. Hein. Donc là, on est sur le côté. Tu te souviens, la tête rentrée, tu dois avoir tes pieds. Si tu ne vois pas tes pieds, ça veut dire que tes jambes sont trop derrière et tu vas tirer sur les lombaires. Donc je rentre la tête, je dois avoir mes jambes. Ensuite, je redresse la tête. Comme ça, on a la nuque bien. La bascule du bassin. Périnée transverse engagée. Levez les pieds. Donc soit ton bras le long du corps, soit ta main est posée devant. Comme tu veux. Descendez vos épaules. Inspirez. Et là, on va commencer en souffle. Les battements en rythme devant derrière. Inspirez. N'allez pas trop vers l'arrière, sinon vous allez tirer sous les lombaires. Donc l'amplitude est réduite. Expirez. Inspirez. Je garde toujours le petit espace entre la taille et le tapis. Continuez à inspirer. L'expiration. Soit le bras qui est par terre est tendu, la tête est posée sur l'épaule comme ça. Soit le bras plié. Par contre, toujours pareil, la tête bien relâchée. Encore deux fois, les amis. Soufflez. Posez-vous la question, est-ce que le bassin est bien placé? Est-ce que le périnée, est-ce que le transverse sont engagés? Vous bloquez la position. Placez votre main sur le nombril et faites des petits battements. N'oublie pas, quand tu rentres la tête, tu dois voir tes jambes. Hein. Si tu ne vois pas tes jambes, ça veut dire que tes pieds sont trop derrière
et tu tires sur les lombaires. Voilà, continuez. Inspirez. Entre 3 et 5 mouvements. Et j'expire, pareil, entre 3 et 5 mouvements. Encore, l'inspiration. N'oublie pas l'espace entre la taille et le tapis. Hein. Tu vas sentir la taille, la fesse et le côté de la cuisse. Si vous sentez le dos, avancez un peu les jambes. D'accord ? Et la jambe qui est par terre, tu la poses si vraiment tu sens que ça tient. Encore deux fois. Expirez. La dernière. Expirez. Bloquez. Tenez la position. Et relâchez. Parfait. Passez sur les genoux. Vous allez ramener les fesses près des talons et avancer les mains. Avancez les bras. Main droite, main gauche. Tu relâches. Tu ramènes tes mains près des genoux. Et là, tu enroules ton dos. Tu souffles. La tête est rentrée. Tu relâches. On va continuer. On va travailler le dos, les amis. On va faire le swimming. Donc, on est allongé sur le ventre. On va faire le swimming allongé sur le ventre. Les bras devant. Avant de commencer, au lieu de plaquer le nombril, il faut aussi plaquer le bas du ventre. Il faut imaginer un petit glaçon entre le nombril et le tapis. D'accord ? Si tu plaques le nombril par terre, tu vas tirer sur tes lombaires. Donc fais attention, réduis ta tendeur. Les bras devant sans lever les épaules. Hein. Donc on a les pieds largeur de hanche. Voyez un petit redresse, le haut du corps. Pas comme ça, c'est pas bon. La nuque est longue. Donc l'objectif, regarde bien mon amplitude. Je vais lever ma jambe droite, mon bras gauche, par contre, pas trop haut. J'inspire sur la descente. Et je repars. En gardant toujours l'espace entre le nombril et le tapis. Inspirez sur la descente. Expirez sur la montée. Inspirez. Quand vous levez le bras, vous devez garder vos omoplates fixes. Voilà, j'inspire. Et je change. Doucement. Si vous sentez bien, vous pouvez lever les deux pieds et les deux bras en même temps. J'inspire sur la descente. Et je repars. Je garde la nuque longue. J'ai toujours mon périnée, mon transverse engagé, c'est la base. Je repars. Le glaçon entre le nombril et le tapis, on ne l'a pas oublié. Inspirez. On le fait une dernière fois. À droite. Pareil, une dernière fois à gauche. Soufflez. Et relâchez. Parfait. Prenez appui avec vos mains. Vous allez ramener les fesses derrière, près des talons, avancez les mains. Il nous reste un dernier mouvement, push-up. Alors, push-up, on va faire 6 répétitions. Ça fait pompe, les amis. Donc, on a les genoux largeur des hanches, regarde. Les mains, largeur des épaules. Sur la descente, donc, regarde mon dos, ça c'est pas bon. J'engage le bassin, ok. On va plier les bras, on souffle. Et on inspire sur la montée. Un détail, le nombril est rentré, les amis. D'accord ? Donc je prends ma position, je verrouille mon bassin, je fixe mes omoplates, rentre le nombril. Inspire, gonfle ta poitrine, plie tes bras, souffle. Remontez. Plie les bras, souffle. L'inspiration. L'expiration. Prends ton temps, prends ton temps. Ça va tirer sur les pectoraux. Hein. J'inspire. N'oubliez pas le périnée, le transverse engagé. Je remonte. Encore deux fois. J'inspire. Et la dernière. Prenez votre temps, soufflez. Inspirez. Et relâchez. Parfait. Ça a dû tirer là, hein, les pectoraux, les épaules, les bras. Vous savez vos mains.
On relâche. Vous allez poser vos deux pieds à plat. Vous inspirez. Et en soufflant, on va dérouler le dos petit à petit. En reprenant sa position pilate. Donc les pieds à plat, les jambes souples. La bascule du bassin, et est engagée. Inspirez. Pousse avec les mains. Voilà, doucement. J'inspire sur la descente. Encore une fois. Relâchez. Parfait. On relâche. On souffle un petit peu. Prochain coup. Abdominaux, les amis. Abdominaux. Dans 2 minutes. Abdominaux. Expire.
fais ça, et à toi, je suis cervical. Donc là, je lève les omoplates. Encore deux. La dernière. Et voilà. Tends un peu tes jambes. Et moi, je fais ça. Et voilà. Reprends la position. Rentre les mains. Plaque le bas du dos. Et là, on dévole. Et on retient. Alors, pensez à votre périnée, les amis. Je rentre le lombé. Je serre le ventre. Et, allez encore. Voilà. Yes. Encore. Expire, retiens. L'objectif, c'est la brûlure. Encore. Continuez. 8. Posez-vous la question. Est-ce que votre périnée est engagé? Ouais. Encore 2. Ok, voilà. Tendez les jambes, tendez les bras. Étirement du dos. Il nous reste encore une série. Ensuite, on fera le côté, les obliques. Pliez les jambes. Placez vos mains. Reprenez vos. Allez. L'expiration. Yes, les amis. Dans la jambe, la bonne humeur, là. Et on va charrière. Encore. Continue. Souffle. Allez, encore. Tu lèves le haut du corps. Pas la peine de ramener le menton près des genoux. Hein. Et non. Allez, encore 8. 8. Descends. Quatre fois. Deux. Relâchez. Tendez les jambes, les amis. Donc là, on va faire le haut des abdos. La suite, on va faire les obliques. On va faire deux mouvements à droite, deux mouvements à gauche. Ok? Donc regarde. Premier mouvement, on va faire jambes pliées, jambes tendues. On va en faire 8 comme ça. Ensuite, on bloquera. Et on ira chercher l'extérieur du pied avec la main. Ok? Et tu as vu ma jambe, elle est tendue. Hein? Si ça tient sur les cervicales, une main derrière la tête. Ok? Pliez la jambe. C'est parti. Ça fait 8. Je ramène. Encore. 4. Je vais ramener sur un peu la musique. 3. 2. Tendez la jambe. Allez, on lève. 8. 7. Toujours le même côté, hein, avec l'épaule gauche. Voilà. 4. Encore. Et là, vous changez, les amis. Et 8. Plié. 7. 5. 3. Encore. 2. Tu bloques en haut. Et là, enlève. Allez. Encore. 4 fois. 4. L'extérieur du pied. 3. 2. Tu relâches. Change. 8. 7. Le bras est ouvert. Hein. 4. Regarde. La main, tu la places derrière. Et là, toujours avec la main gauche. Voilà, la main droite est derrière la tête. Ça permet de soutenir un peu les cervicales. Encore. 2. Tu relâches. 4. 3. 2. C'est parti. Pousse. 2. Cinq, six, la main gauche derrière la tête, toujours avec la main droite, diagonale, descend. Allez, souffle. 7, 4, encore,
Changez les dynamiques. 13, 8, 7. Souffle quand tu lèves. 4 fois. Sans forcer sur la nuque comme d'habitude. Hein. Encore 2. Main droite derrière la tête. Jambe droite tendue. Extérieure. 7. Sans forcer sur la nuque. 4. Encore. Changez directement les amis. Yes, I. 8. 7. Voilà. 4. Le menton. Dégagez la poitrine. Main gauche derrière la tête. Diagonale. 8. Soufflez bien quand vous levez. Encore. 4. Encore 2. Mini-pause, les amis. Tendez vos jambes. Merde. Tu relâches. Jambes droites, épaule gauche. 4, 3, 2, et pousse. 7. Encore, encore. 4. À la verticale, les amis. Yes. 8. Quatre fois. 4. Encore. Changez, les amis. Jambes pliées, jambes tendues. 8. Et. Courage. Ça va, ça chauffe un peu. Encore 4. Main vers la tête, main droite, pied gauche. Tendez bien la jambe. Encore, encore. 4, 3, 2, relâchez. Les obliques, les amis. Poussez avec les mains, poussez avec les pieds. Aïe, aïe, aïe. Relevez le bassin. Le bas des abdos. Soit les mains posées par terre, soit les mains derrière la tête. Relevez le bassin sur la descente. Regarde, lève. Avance. Lève. Avance. J'inspire. Je souffle. N'allez pas trop mal avec les jambes, sinon vous allez tirer sur le bas du dos. Hein. Voilà, gardez les épaules dans l'axe, les amis. Allez, encore. Je lève. Je souffle. Dernière, accélère, pousse, lève, allez encore, 4, change de musique, 3, 2, relâche, souffle un peu, pliez les jambes, levez. Avance. C'est la musique de Santo Domingo. Caliente. Relevez le bassin, les deux jambes, accélère. Pousse. Pousse. Allez, encore. Le dernier. Soit les mains posées par terre ou derrière la tête. Remets le bassin dans la jambe doucement. Encore. Je lève. J'avance. Mais pas trop mal avec les jambes. N'oublie pas, sinon c'est le dos. Hein. Les deux jambes accélèrent. En haut et en bas. Soufflez quand vous levez. Encore les amis. Les 4 dernières. 4, 3,
repars, lève, j'allonge, doucement. Engagez bien les abdos, les amis. Encore, relevez le bassin, les deux jambes en même temps, et pousse. Quand tu lèves les fesses, tu souffles. Encore. Serre le ventre. Quatre fois. Quatre. Plus que deux. Entendez? Et relâchez. Tendez les jambes, les amis. Il nous reste encore une série. Directement rapide. Pliez les jambes. Allez, c'est parti. Lève. Lève. Repart. Le mouvement part du bassin. Encore. 8, 7. Les 4 dernières. Plus que 2. Et relâchez. Tu relâches. Pliez les jambes, les amis. Les mains derrière les cuisses. Masquez. Levez les fesses. Pliez les jambes. Déroulez le dos. Comme à la maison. Inspirez. Serre le ventre, regarde là, pousse, change, éloigne, en haut, côté les amis, derrière, serre le ventre, et le ventre, c'est là ou pas? J'ai entendu dire qu'il y avait tennis à 18h, mais c'est moche ça. En haut. Relâchez les amis. Parfait. Yes, les amis. Merci beaucoup. J'espère que ça a été. Les abdos. Donc demain, je rappelle, demain les amis, on sera en cours. Demain, circuit training. Je vous attends à 18h. Ok? Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Merci les amis, à demain.